que tu te demandes pourquoi on peut ignorer les virgules quand on fait une multiplication de nombres décimaux. En fait, c'est que l'algorithme qu'on te montre, c'est un peu une recette pour arriver à la bonne réponse. Mais il y a une raison pour laquelle tu peux ignorer les virgules. Je te l'explique si ça t'intéresse. Donc, c'est une explication pour les curieux ou les gens qui veulent en savoir plus, mais tu n'as pas à comprendre ou à connaître cette explication-là pour les évaluations, par exemple. Tu peux simplement suivre l'algorithme. Donc, pour mon explication, je vais prendre le même exemple que dans tes notes de cours. Donc, 1 et 25 centièmes multiplié par 3 et 2 dixièmes. Donc, pour mon explication, je vais transformer ces nombres-là en fractions. Donc, je vais avoir la même quantité, mais exprimée différemment. Donc, j'ai 1 et 25 centièmes multiplié par 3 et 2 dixièmes. Pour faire une multiplication, tu sais qu'on ne peut pas garder les nombres fractionnaires comme ça. On doit les transformer en fractions. Donc, je vais exprimer mes nombres comme 125 centièmes multiplié par 32 dixièmes. Quand je multiplie, on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Donc, j'ai 125 fois 32 sur 100 fois 10. Donc, ça, je vais tout de suite écrire le résultat, c'est 1000. Donc, j'ai combiné, si on veut, on pourrait le voir, les zéros. Donc, j'ai 100 fois 10, je vais avoir 3 zéros dans mon résultat final. Donc, ce que j'obtiens ici, c'est un peu ce que l'algorithme me dit de faire. On multiplie en ignorant les virgules, donc 125 fois 32, c'est mes nombres de départ sans les virgules. Puis ensuite, mon résultat, en le divisant en 1000, bien, ce que je fais, c'est que je vais tasser ma virgule, la déplacer de 1, 2, 3 positions. Donc, je vais placer 1, 2, 3 chiffres derrière la virgule. Donc, si 125 fois 32 me donne 4000, si je le divise en 1000, parce qu'une fraction, c'est une division, hein, ce symbole-là, c'est un symbole de division, si on veut, bien, je vais avoir 4000 divisé en 1000. Donc, je vais tasser ma virgule 1, 2, 3 fois. Elle va être ici. Donc, celle-là n'existe plus. Donc, c'est pour ça qu'on peut ignorer la virgule, puis la placer avec le nombre de décimales qu'on avait au départ, parce que c'est ce qui indique par quelle puissance de 10 on divise ensuite. Donc, j'espère que ça t'aide à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on peut suivre la recette qui se trouve là.